C'est le vlog de Candice en fait. Je suis très content des retours du vlog d'avant. Donc quand vous verrez ce vlog, je parle du vlog du vlog numéro 13. Vlog 13 en fait. Le vlog 13, meilleur vlog. Parce que déjà j'étais pas mal dedans, faut dire les choses. Avec Julie et Candice, on a un trio qui marche très bien. Exact. On est le trio le plus élorant, il faut dire. Un trio qui triote bien. Voilà, un trio qui triote bien, même très bien. En vrai, faut dire les termes, on est le trio le plus marrant. Tous les deux français, on est drôle. On n'est plus rien, on est naturellement drôle, quoi. C'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on roule à près de 100 km quand même vers Rouen pour commencer la semaine. Voilà, cette semaine, Rouen, Poitiers et Montpellier, trois fois. T'es hyper beau là, sous cet angle. C'est vrai. Oui. Pourtant, je suis pas coiffé, pas make-upé pour ne pas profiter de mon naturel. Arrête. Mon Instagram, c'est... Non, je rigole. Petite pause pour te rappeler que vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux liker, tu peux commenter, tu peux même activer la cloche. Bisous. On aurait voulu vous offrir une nouvelle séquence avec vos trios préférés. Jibril dort. Et en fait, il dort. Voilà, parce que la passion de Jibril, au-delà de faire de la musique, c'est quand même dormir. Et prendre soin de sa peau et de ses gens. Voilà, ce sont ses trois passions favoris. Et actuellement, il dort. Nous, on passe en quatrième, je pense. C'est déjà pas mal. Parce que Jibril, c'est pas le mec le plus social. Non. Et il passe beaucoup de temps. Moi non plus, je suis pas très sociable. Hein. Ouais, mais avec nous, ça va. En même temps, on a un peu été forcés d'être sociable. Oh là là, mais je suis. On est passé par rapport. On se rencontre les parents, on se connaît jamais. C'est quoi ça? Je pense qu'on aurait été potes si on avait pas fait la star. C'est pas beau, rire comme ça. En vrai, je pense qu'on aurait parlé comme ça. Fais la même action, t'as pas de bien sûr. On aurait interagi. Je pense qu'on aurait interagi tardivement dans la soirée. Et après, on aurait dit, oh, faut qu'on se revoie. Voilà, de fou. Et après, on aurait dit, ah putain, j'aurais pas pensé ça d'accès. J'aurais dit, ah, j'aurais pas pensé ça. Ça c'est une question ça, vraiment. Est-ce qu'on serait potes avec tout le monde si on n'avait pas fait la story? En vrai, il y a forcément des gens qui auraient pas fait la story, on n'aurait pas eu les mêmes intérêts, même la même musique. Oui, même la même vie, déjà avec Metal Club de la France, ou même pas en France, à partir de là. On était tous dans le même collège, qui aurait été ami avec qui naturellement? Moi, avec les hommes hétéros, j'aurais pas été très ami au départ. C'est un peu marrant cette. Bah, c'est la vérité, j'ai toujours été avec des filles tout le temps. J'aurais été ami avec Jibril. Mais tu penses? Et plus tard, parce qu'il n'y avait pas réellement Jibril. J'aurais été ami la concu des homosexuels. On aurait dit, ah non, un autre. En fait, ça va, ça. J'aime bien. Lenny, je pense que Lenny est pote avec tout le monde. Je pense que c'est Arthur qui aurait été pote avec tout le monde. Mais je pense que c'est juste. Parce que je pense qu'elle, elle serait venue voir nous voir. Mais je pense que ça serait vraiment pu devenir vraiment la BFF de Lola. Oui, Lola est partie un peu trop tôt, mais c'était vraiment hyper proche. Je pense que vraiment ça aurait pu devenir la seule BFF. Je sais pas si les gens le savent ça, mais Lola c'est une personne remarquable. D'ailleurs elle se l'est toujours. J'ai jamais vu Lola ne passer mes mots château. La meuf est constamment slay. Que ce soit par le outfit. T'as vu sa garde-robe? T'as vu juste son visage? Elle est partie trop tôt pour vous montrer tout ce qu'elle avait dans sa garde-robe, mais elle avait deux placards. Elle avait cette valise. Moi j'avais une valise. En fait elle avait cette valise. Je me rappelle très bien le jour où elle arrivait et qu'on était avec la prod. Et la prod a dit mais vous êtes deux? Qu'est-ce qui se passe? Non non, elle était seule, cette valise. Et du coup elle a pris deux placards. Et elle a quand même montré mal, elle a quand même slay pas mal top. Même quand on la répète, elle était bien habillée, quand on était là avec des trucs dégueulasses et tout. Cette caméra est tombée. En fait, je vous explique, s'il y a des gens qui filment, quoi. Parce qu'ils sont en train de jouer à FIFA. Les hommes hétéros. En vrai, moi j'aime bien jouer. À FIFA? Ah bon? T'es un homme? Hétéro? Regarde comment je suis très. C'est quoi le masculin de Candice? Il n'y a pas un. Candice? Candice, c'est pas. Non, c'est pas le même prénom. Si je mets les touches de paix, je fais ça. Candice, ça peut être un prénom garçon, je pense. Comme Inès? Oui, voilà, c'est ça que moi je connais plus de Inès garçon que de Inès fille. Ouais, c'est où? Bah, je connais une meuf qui s'appelle Inès, peut-être deux meufs. Je connais plus de mecs qui s'appellent Inès. Moi, c'est un prénom de garçon au départ. Pas dans ma tête. Prénom de garçon. Les prénoms n'ont pas de genre, on s'est à préciser en fait, ça s'appelle comme on veut. On va te retrouver avec Jibril quand il aura dîné sortir de sa taverne. Je pense qu'on fait une pause pour le repas d'ici une heure. Oui. Je pense qu'il viendra manger avec nous. Et voilà, on vous filmera à ce moment-là. Bien joué aux quelques détectives qui ont réussi à trouver ce qu'il y a dans sa crosse en fait. Mais putain, toi c'est vraiment un fou. Mais vraiment, c'était tellement drôle, j'étais obligée de garder ce titre. Mais Jibril est juste. Mais parce que Jibril, c'est la personne la plus hilarante sur Terre. C'est... Il est trop fort. Mais en fait, je pense qu'il est né pour être hilarant. Vraiment. Non, là-bas. Moi j'ai grandi avec. Anyway, on s'égare. Déjà, il fait beau. Et ça, c'est un luxe qu'on a pas quand on était la semaine dernière. Parce qu'il a pas fait très beau. En tout cas, t'es prêt pour cette semaine? Oui. Non, ça va. Encore un petit peu, mais oui.
Ouais, en fait, j'avoue que je suis fatigué, mais parce que j'ai pas bien aimé cette nuit. Je t'ai peut-être appelé. Il y avait des petits trucs, il y avait la musique. Je sais pas. Donc, la porte. Julien nous regarde avec des yeux. Avec des yeux d'amour. D'amour. Regardez-moi cet amoureux de l'amour là. Zoom. Oh, regardez-le. Oh. Regardez la musique. Ça c'était beaucoup plus effrayant. Hello les jeunes. Attends, faut qu'on dézoome. Ça filme. Oui, ça, oui, fait ça des filme. Vidéogrammes sur le site web. Putain, allez, c'est très gênant. On allez me poker sur mon compte MySpace. Là, l'idée c'était que on voulait faire un énorme lit comme ça, on se pose et on regarde les chroniques de Bridgerton. C'est une trop bonne idée. Bonjour Rennes, bonjour. Hello. C'est arrivé, la disposition d'un sol est particulière. Attends, tu feras le tour des danseurs. Bonjour les candidats. Regarde, I have a smiley because I'm smiley. Drew. Qu'est-ce qu'on adore. Bon anniversaire. Il y a deux jours. Mais non. Happy birthday to you. Oh wow. Happy birthday to you. Cries in America. Happy birthday to you. Oui, c'est bon, happy birthday. Happy birthday. J'ai ce truc, en vrai, c'est cool. Il est fier. C'est bon. Oh waouh! Qu'est-ce qui se passe? It's time to eat. Ah ouais? Bref, ça mange? Non. Pas du tout? Ok. Ça, c'est pas du tout des fromages? Bon appétit. Merci. Oh, je vais faire apparaître dans un vlog de candies. Oui, enfin. Bonjour le vlog. Bon appétit à vous. Pour ça, si vous êtes en train de manger, même sur les toilettes, bah en tout cas, faites ce que vous faites et faites-le bien. Mais voilà, c'est pour ça que t'es jamais dans le vlog. Ah, c'est mal tes interactions. T'es malé. Je peux te jouer avec les caméras, je vois. C'est très effrayant. Ça fait peur en fait. Non, c'est trop bien. Juste Pierre qui joue. Putain, mais c'est impossible de le mettre dedans, le trou grand. Ah si! Yes! Montre. Mais vraiment, il passe tout juste quoi, faut être. Montre. Fais un panier. Nul. Loser de ouf. Non, attends. Loser de ouf. Putain, t'es nul. Ouais! Ah, voilà. Moi, j'ai reçu des fleurs de cette même personne. Moi, j'ai un panier, c'est mieux. Je vais mettre mes yeux. Ah oui. Première étape, on prend la paupière, on la met vers le haut, ça donne cette tête un peu flippante, mais tout va bien. Ensuite, on tape paupière vers le bas. Et là, on n'a pas réussi. Et là, on s'énerve en fait. Et quand on s'énerve, l'œil il pleure. J'ai dit ma mère, ça marche. Parce que je me suis énervé. C'est bon là? Ça me dégoûte. Parce que vous voyez pas, mais il y a les larmes qui coulent. Au secours, les larmes qui coulent. Tu veux un oh my god? Vas-y. C'est les larmes qui coulent parce que. Oh my god! Oh my god! Voilà. C'est oh my god! Et après, il y en a encore une équipe en belle qui pourra. Oh, c'est fait. Envole-moi! Envole-moi! C'est ça. Envole-moi! Loin de ces fatalités qui collent à ma peau! Envole-moi! Où ça? Envole-moi! Remplis ma tête d'autres.
Envole-moi. Envole-moi. Oh, j'ai pas beaucoup de voix. Envole-moi. J'ai mis petit. On fait un petit jeu. Mais je suis pas dégueulasse. J'attends de finir ce jeu. C'est lui qui. Non, parce que là, on joue avec Julien. Non, le dernier qui met. On joue à. Je sais pas, le dernier qui met la balle. Le truc qui met la balle. C'est l'espace. Ça part en boîte. Ça veut dire que je fais malin, c'est lourd. Ça part en boîte. On va pas en boîte, nous! Et depuis, ça fait des années, j'ai pas été en boîte! Vas-y, vraiment longtemps. T'as une carte là, ça kiffe? À moi! À moi!